moustique. Quand le mot est lâché, il évoque immédiatement le désagrément de la piqûre, le bruit énervant près de l'oreille, et pour nous, les humains, le danger potentiel de la transmission d'un virus ou d'un parasite. Chikungunya, dengue, paludisme, encéphalite japonaise, Zika, fièvre jaune, toutes ces maladies infectieuses touchent l'ensemble des pays tropicaux, mais elles s'étendent de plus en plus vers les zones tempérées à cause de la mondialisation des échanges, de l'urbanisation, du changement climatique. Les moustiques, vecteurs de ces maladies, profitent totalement de nos nouveaux modes de vie pour étendre leur territoire et nous envahir. Pour contrer ces épidémies et rompre ce cycle infernal entre humains, moustiques, virus et parasites, des insecticides et des moustiquaires sont utilisés, des médicaments et des vaccins sont développés, mais c'est insuffisant. Et des moyens de lutte étonnants qui s'attaquent directement aux moustiques voient le jour. Dans l'œil des Aedes, des Culex, des Anopheles, voyage dans un monde qui s'étend chaque jour, le monde des moustiques.